Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais répondre aux questions que vous m'avez posées dans la FAQ. Donc malheureusement j'ai seulement eu un participant, une personne qui m'a posé des questions et c'est Smaplinky Gaming. Putain je me trompe, Smaplinky Games pardon. Donc merci à toi, donc il m'a posé pas mal de questions donc je trouve ça super cool. Ça va permettre de faire une FAQ quand même assez grosse. Donc c'est parti, sans plus attendre, commençons tout de suite. Donc première question qu'il m'a posée, c'est pourquoi as-tu commencé YouTube? Donc la raison pour laquelle j'ai commencé YouTube, c'est tout simplement pour me faire une meuf. Parce que oui, il y a beaucoup de meufs sur YouTube. Donc je me suis dit, si je commence à faire des vidéos, il y a peut-être des meufs qui vont s'abonner à ma chaîne et je vais peut-être pouvoir me trouver une meuf. Mais en fait, je blague, c'est pas vrai du tout. Même si c'est vrai que j'aimerais ça, hein, s'il y a des meufs, voilà, qui habitent au Canada, au Québec, qui sont abonnés à ma chaîne, voilà, moi je suis intéressé. J'ai 19 ans. Non. Le mec qui se croit sur Mythique. Mythique. Ouais, bref. Non, pour la première raison pourquoi j'ai commencé YouTube, en fait, pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, c'est une vidéo dans laquelle j'ai fait un montage sniper sur Black Ops 2. Donc je faisais des actions vraiment nulles à chier, mais moi dans ma tête de gamin de 16 ans, je croyais que c'était super cool. Donc du coup la première vidéo, pourquoi je l'ai fait, c'est tout simplement que je voulais montrer aux gens comment j'étais bon. Voilà, c'est tout. Ensuite de ça, j'ai changé, j'ai changé la raison pourquoi j'uploadais des vidéos. Après ça, c'est devenu parce que je voulais partager ma passion des jeux vidéo et ma passion de l'informatique. Voilà. Ensuite, as-tu surnommé tes abonnés? Si oui, comment? Les Killzers. Non, en fait, j'ai jamais pensé à ça. C'est vrai que ça peut être cool, les Killzers. Les Pussy Killzers. Bref. Non, je trouve ça plutôt cool, les Killzers. Je pense que, ouais, c'est une bonne idée. Maintenant, je vais vous appeler comme ça. Je vais dire maintenant, alors bonjour, les Killzers. Ok, je me trouve drôle, je suis pas drôle. D'où vient ton pseudo? C'est en fait, si je me rappelle bien, au début je voulais m'appeler Kills Night, sans le K, genre Kills Nuit. Mais en fait, mon cousin m'a dit rajoute un autre K, ça va être plus cool et je l'ai fait après. C'est vrai que ça rendait le nom plus équilibré, ça le rendait plus joli. Donc du coup, voilà. Ensuite de ça, je sais pas comment j'ai fait pour trouver Kills. Ça par contre je sais pas, je pense que je sais pas en fait, ça fait trop longtemps, j'avais 16 ans, mon imagination débordait, donc voilà, c'est pour ça. Es-tu content, ah non, la taille de ta, la taille de ma bite, la taille de ma bite, ben demande à ta mère. Non, sérieux, sérieux, bon, je dirais pas, voilà, c'est tellement énorme que je voudrais pas rendre les gens jaloux, donc je vous le dirai pas. Voilà. C'était une blague hein, pour la mort, c'était juste pour rire. Es-tu content de ton chemin parcouru jusqu'à maintenant? Oui et non. Je vais essayer de dire ça sans paraître méchant, mais en gros, pour ceux qui ne savent pas, je suis sur YouTube depuis 4 ans. J'ai fait plus de 300 vidéos et j'ai 774 abonnés, ce qui est pas. On va dire ce qui est pas exceptionnel pour 4 ans de YouTube Game et 300 vidéos. Donc oui, je suis content de la communauté que j'ai, mais je suis pas content. Je suis un peu déçu du nombre d'abonnés que j'ai parce que je me promène sur YouTube et je vois des gens qui ont commencé il y a 2 mois, ils ont fait 3 vidéos et ils ont déjà 2000 abonnés. Là, je me dis, aïe, 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 qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi je suis nul comme ça? Bref, voilà, je me remets en question et voilà. Donc oui et non. Pourquoi tu cherches toujours à faire des let's play? Ah oui, et que tu les finis jamais. Ça me déçoit des fois. Oui, je sais. Quand je dis que je fais des let's play, souvent je fais 2-3 épisodes, après j'arrête. C'est tout simplement par manque de motivation. Parce qu'il faut savoir que ce qui motive un youtubeur, c'est souvent les pouces bleus. Donc si vous faites une vidéo et qu'il y a seulement un pouce bleu, voilà, ça va vous démotiver à continuer de faire des vidéos. Donc
c'est pour ça que je fais souvent, j'arrête les let's play. La première vidéo, voilà, est souvent bonne. Il y a souvent environ 6 à 10 likes des premières vidéos et pas mal de vues. La deuxième vidéo, ça baisse à 3 likes. Et la troisième, ça baisse à 1 like. Et là, voilà, ça casse complètement la motivation. Je me dis, pourquoi faire une vidéo si je sais qu'il y a seulement une personne qui va l'apprécier? Donc voilà, c'est pour ça souvent que j'arrête les let's play. Voilà. Après, il nous demande est-ce que je suis chiant? Non, au contraire, merci justement d'avoir posé ces questions. La dernière question est, pourrais-tu donner 500 euros à un abonné? Malheureusement, non. Parce que voilà, c'est. Voilà. Non. Sauf si quelqu'un me donne 1000 euros et me dit donne la moitié à tes abonnés. Là, je dirais ok, ou qui me donne 500 euros, il me dit fais un concours pour tes abonnés. Là, je serais complètement d'accord, mais ah, donner ça, il faut pas abuser quand même. Faut pas, voilà quoi. Voilà. Encore si je serais riche, ok. Mais là, voilà quoi, je suis aux études, donc voilà, non. Bref, excuse du roman, mais t'as pas à t'excuser, t'es le seul qui a posé les questions, c'est justement, c'est cool. Donc, j'espère moi que cette petite vidéo vous aura plu. Merci à Smaplinky Games. De nous avoir posé toutes ces magnifiques questions. C'était Gagenet, on se dit à plus tard les gens. Allez, peace!